Je suis heureux que vous ayez décidé de m'accompagner. Nous sommes presque arrivés à Rivebois. Personne ici ne sait encore ce qui s'est passé. Venez, Gerdur est sûrement au travail à la Syrie. Quoi? Qu'y a-t-il encore, mère? Il était aussi grand qu'une montagne aussi noire que la nuit. Il vient de s'écoller nos terres. Le dragon, maintenant. Ce n'est pas vous que j'ai vu parler à Sven? Je ne sais plus. Peu importe. En tout cas, je ne m'approcherai pas de lui si j'étais vous. Gerdur. Mon frère, par Mara, comme c'est bon de te revoir. Cet endroit est-il suffisamment sûr? Gerdur. Il paraît qu'Ulfric a été capturé. Je vais bien, Gerdur. Du moins, ça va maintenant. Vous avez mal? Que s'est-il passé? Et cette personne, fait-elle partie de tes compagnons? Ce n'est pas une camarade, mais une amie. Je lui dois la vie. Y a-t-il un endroit où on peut parler? Impossible de savoir quand les impériaux apprendront ce qui s'est passé à Helgen. Helgen? Il s'est passé quelque chose? Absolument. Suivez-moi. Odd, j'ai besoin d'aide. Ça ne prendra qu'une minute. Y a-t-il, femme? Sven est encore allé travailler sous? Odd, viens par ici. Roloff! Qu'est-ce que vous faites là? Ah, je descends tout de suite. T'as tué combien d'impériaux? Tu connais vraiment Ulfric Sombrage? Arrête, Frodnar. Tes petits jeux ont assez duré. Allez surveiller la route du sud. Venez nous prévenir si vous voyez le moindre soldat impérial. Mais maman, je veux rester parler avec tonton Ralof. Regarde-moi ça, tu es presque un homme désormais. Tu pourras bientôt te battre, toi aussi. C'est vrai. T'en fais pas, tonton Ralof. Je laisserai pas ces soldats te prendre par surprise. Que passe-t-il, Ralof? Vous avez l'air épuisé. Oh, je ne sais plus quand j'ai dormi pour la dernière fois. Oh, par où commencer? Eh bien, les nouvelles concernant Ulfric sont vraies. Les impériaux nous ont tendu une embuscade à la sortie du gué de Sombreflot. Comme s'ils savaient exactement où nous trouver. C'était il y a 2 jours maintenant. Nous avons fait halte à Helgen ce matin. Et je pensais que c'était fini. Ils nous avaient déjà alignés devant le bio du bourreau pour nous exécuter. Les lâches! Ils n'ont pas osé faire un procès équitable à Ulfric. L'accuser de trahison alors qu'il se battait pour son peuple, tout bord de ciel aurait compris la vérité. Et puis, surgit de nulle part, un dragon a attaqué. En chair et en os? Un vrai... Même moi, j'ai du mal à y croire. Et pourtant, j'étais là. Aussi étrange que ça puisse paraître, sans ce dragon, on serait mort. C'est la confusion qui nous a permis de nous enfuir. Nous sommes vraiment les premiers à rejoindre Rivebois? À ma connaissance, personne d'autre n'a pris la route du sud. Bien. Peut-être qu'on va pouvoir dormir un peu. Je ne veux surtout pas mettre votre famille en danger, Gerdur, mais... Oh, arrêtez. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que nécessaire. Je m'occupe des impériaux. Les amis de Ralof sont mes amis. Tenez, la clé de la maison. Restez tant que vous le voulez. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le-moi savoir. Vous pourriez faire quelque chose pour moi.
pour nous tous, ici. Le Jarl doit savoir qu'un dragon rôde dans la région. Rive Bois n'a aucun moyen de se défendre. Nous devons informer le Jarl Balgruuf à Blanche Rive et lui demander d'envoyer des troupes. Si vous faites ça pour moi, je vous le revaudrai. Merci, ma sœur. Je savais qu'on pouvait compter sur toi. Je retourne travailler avant qu'on ait besoin de moi, mais... quelqu'un d'autre a-t-il pu s'échapper? Ulfric a-t-il... Il ne faut pas s'en faire. Il s'en est tiré, c'est sûr. Même un dragon n'arrêterait pas Ulfric Sombrage. Je vais les faire entrer et leur montrer où tout se trouve. Ou les aider à siroter notre hydromel, oui. Bonne chance, frère. À plus tard. Ne vous en faites pas pour moi. Je sais me faire oublier. Je vous avais dit que ma sœur nous aiderait. Vous savez, vous devriez m'accompagner jusqu'à Vendôme et rejoindre la lutte pour libérer Bordeaux-Ciel. Vous avez pu voir le vrai visage de l'Empire aujourd'hui. Quelqu'un peut savoir ce que signifie la venue du dragon. C'est bien Ulfric. Pas d'argent, hein? Hors de mon chemin. Il faut bien que quelqu'un fasse quelque chose. J'ai dit non. Pas d'aventure, pas de mise en scène et pas de chasse aux voleurs. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire alors? Je vous écoute. Je ne reviendrai pas là-dessus. Oh, un client. Je suis désolé. Je ne sais pas ce qu'on vous a dit. Mais le marché de Rivebois est ouvert. Faites vos courses, n'hésitez pas. Il y a tout ce dont vous avez besoin au marché de Rivebois. Ouais, on s'est fait voler. Mais il me reste encore plein de butin, hein. Les voleurs ne voulaient qu'une chose. Une décoration en or massif. Un truc en forme de griffe de dragon. Sans blague, je vais recevoir de l'or pour mon dernier chargement. Il est à vous si vous me rapportez cette griffe. Si vous pourchassez ces voleurs, dirigez-vous vers le tertre des Chutes Tourmentées, au nord-est de la ville. Ouais. Vous n'avez donc plus besoin de partir, n'est-ce pas? Oh, vraiment? Bon, je crois que votre nouvelle assistante a besoin d'un guide. Que... non... je... oh, par les 8, très bien. Mais uniquement jusqu'aux limites de la ville. Plutôt, vous... des babioles, des petites choses. Thank you.
Très bien. Il nous faut traverser la ville et le pont pour atteindre le tertre des chutes tourmentées. Vous pouvez la voir d'ici. La montagne, juste derrière les bâtiments. Par ici. Ces voleurs doivent être fous de se cacher là. Ces vieilles cryptes regorgent de pièges, de trolls et de tout un tas d'autres choses. Je me demande pourquoi ils n'ont volé que la griffe d'or de Lucan. Le magasin regorge d'articles qui valent tout autant. Lucan a trouvé la griffe environ un an après l'ouverture du magasin. Il n'a jamais dit d'où elle venait. Il n'est pas commode. Par ici. Par ici. Faites attention. Faites attention. Par ici. Par ici. C'est le pont qui mène hors de la ville. Le chemin dans la montagne au nord-ouest mène au tertre des chutes tourmentées. Je pense que je devrais retourner auprès de mon frère. Il va y avoir une crise si je suis trop longue. Un vrai gosse. Que Mara vous bénisse d'accepter... Eh bien, c'est une route sinueuse dans la montagne droit devant. Une fois à la tour, prenez au nord. Vous trouverez le tertre des chutes tourmentées un peu plus haut. Bonne chance. Lucan et moi allons attendre votre retour au magasin.